On part au standard. Qui est là ce matin? Allô, bonjour. C'est Jean-Marie Bigard. Oh. Ah, Trump, il a filé combien à l'actrice porno pour acheter son silence déjà? 130 000 dollars, Jean-Marie. Ah ben dis donc, 130 000 dollars juste avec deux boules, c'est mieux que le loto, hein. Au secours. Salut mes chéris. Doucement. Bonjour Cyril Hanouna. Il paraît que Bruno Le Maire, il a fêté un peu le Playboy avec Marine Schiappa là, et il a pas du tout aimé. Hein. Ah bon, pourquoi Cyril? Il y a pas une seule fille avec un col roulé. C'était pas visible. Hein. Oui, bonjour, c'est Stéphane Guillon. Silvio Berlusconi est toujours hospitalisé en soins intensifs. Oui, semble-t-il. Oui. Apparemment, si jamais ça tourne mal, Rachida Dati veut bien récupérer le Botox. Oh. On vient de vivre un grand moment de sport. Ah, mon Gérard Rolls, bonjour. Grand moment de sport. Dimanche dernier avec le marathon de Paris qui, rappelons-le, a été exceptionnellement rallongé sur décision d'Elisabeth Borne. Ah bon, c'est vrai ça? Oui, cette année le parcours faisait 49,3 km. Oui, bonjour, c'est Didier Deschamps. Bonjour. Vous avez vu, il y a un sondage qui dit que si la présidentielle avait lieu maintenant, Marine Le Pen, elle battrait Emmanuel Macron. Oui, dis donc, vous avez vu. En même temps, en ce moment, vu le contexte, même la chatte à Dédé, elle battrait Emmanuel Macron. Hein. Oui, c'est Roselyne Bachelot, la successeuse de Martinez à la CGT, la Sophie Binet. C'est dommage qu'elle s'appelle pas Roselyne aussi. Mais pourquoi Roselyne? Bah, on aurait pu l'appeler Roro Binet. Oui, bonjour, c'est Laurent Ruquier. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Elisabeth Borne va sûrement se pencher sur son cas. Comment ça? Enfin, je veux dire qu'elle va se pencher sur le cabinet. Le cabinet, oui, je l'ai, bien sûr, bravo Laurent. Ah, salut, c'est Philippe Candeleron. Pas grave. Bon ben, c'est bien. La CGT maintenant, ça va peut-être être un peu moins macho. Et c'est-à-dire? Bah, avec les merguez, il y aura peut-être une petite salade sauce vinaigrette maison. Ah oui. Putain, c'est génial! Bonjour Patrick Sébastien. T'as vu, putain, hier c'était déjà la 11e journée de mobilisation pour les retraites. Oui, et alors? Et ben alors, si ça continue là, la chanson de l'année aux prochaines victoires de la musique, ça va être Macron, si tu savais. Quelle indignité. Bah, monsieur Sarkozy, ça faisait un petit moment, bonjour. Vous avez vu, Donald Trump, il a dit que son inculpation, c'était une insulte à la nation. Ah oui, il a dit ça, oui. C'est pas mal, ça, dis donc. Hein. Une insulte à la nation. Je le garde, tiens. Ça me ferait une bonne alternative à... À quoi, hein? À quelle indignité. Merci beaucoup, Yann. Vincent Cerutti et Malika Ménard, 6h-10h, c'est le M Radio Réveil.